Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjoumendé, à Boumé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à toutes et à tous. Les amoureux de handball vont vivre le vendredi prochain les demi-finales de la phase des play-offs de la Ligue Pro de handball saison 2022 avec les équipes Flowers CNSS, Assomodel, Adidia et Aspac. Les poulains de MSC Bion vont jouer demain la formation de Assomodel, deuxième du groupe B. En demi-finale d'avance, le feu est annoncé au vert pour la formation de la CNSS qui pourra composer facilement son billet pour la finale. En deuxième heure, il aura le face-à-face Adidia Aspac, un remake de la saison écoulée. Les rencontres linéaires dans la catégorie féminine ont confirmé la suprématie des deux grands clubs Flowers Aspac qui ne se quittent pas des yeux depuis plusieurs années. Autre information, hier mercredi 9 novembre 2022, se sont joués les matchs retour du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération de la CAF. Ainsi, Al Akda de Jacques Besson et Askokara de Luc Kakbo et de Samadou Bourou se sont qualifiés pour les phases finales de la Coupe CAF. Rappelons que c'est pour la première fois que l'équipe d'Asco de Kara va disputer les phases de groupe de la Coupe CAF. Pour finir, après l'annonce du journal sportif, l'équipe sur le forfait de Sadio Mané pour le Mondial Qatar 2022, le FC Bayern Munich a sorti un communiqué hier pour donner des nouvelles sur la blessure du joueur. On peut lire dans le communiqué, Mané est déjà forfait pour le match du club, le FC Schalke, ce samedi 12 novembre 2022. Le club précise que d'autres examens suivront dans les prochains jours et le FC Bayern est en discussion avec la partie médicale de la Fédération sénégalaise de football. Le Sénégal et toute l'équipe retiennent donc leur souffle et restent attentifs à l'évolution de la situation. Surtout que dans la matinée d'hier, le journal sportif français L'Équipe a annoncé le forfait de l'ancien joueur de Liverpool pour le rendez-vous de Qatar qui va démarrer le 20 novembre 2022 pour connaître son épilogue le 18 décembre 2022. Ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.